Good morgen, à la Yiden, la tutra aujourd'hui, l'unich matamor, bien apprenchana, Peggy, bat Esther, Zara, bat Mazaltov, Shishportish, Simon, bat Lorani, Michel Novikov, Seigneur Fot, Ruth, bat Kolodin, Traina, Simcha, bat Masoni, Petor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Shuvot, Peridalet, Mishnah, Zain. Mashbia, Ani, Alechem. אם לא תבואו תעידוני שאני כהן, שאני לוי, שאיני בן גרושה, שאיני בן חלוצה, שיש פלוני כהן, שיש פלוני לוי, שאינו בן גרושה, שאינו בן חלוצה, שאנס איש פלוני את ביתו, ופיתה את ביתו, ושחבל בי בני, ושחבל בי חברי, ושלי גדישי בשבת, הרי אלו פטורין. On continue le même principe de la Mishnah précédente en apprenant à présent les cas pour lesquels on est dispensé du korban de la Shavuot HaYedut. Pour rappel, la Shavuot HaYedut, celui qui connaît un témoignage que grâce à lui je pourrais soutirer de l'argent d'une tierce personne et il nie au Beit Din alors que je l'ai assermenté, je l'ai imposé, je l'ai fait jurer, et qu'il vienne et qu'il témoigne s'il connaît, et s'il connaît un témoignage qui puisse m'aider, et il a préféré nier au Beit Din. De ce fait, il devra apporter un korban particulier, qui est le korban de la Shavuot HaYedut. On avait appris dans la Mishnah précédente que l'on est chayav que si c'est une Shavua, que si c'est une réclamation, un témoignage qui porte sur une réclamation d'argent, en apprenant quelques cas particuliers. Et la Mishnah maintenant va continuer en nous donnant des cas qui ne sont pas des réclamations d'argent, bien qu'il y ait une perte d'argent indirecte qui va être causée. Avec par exemple le premier cas, Mashbiani Alechem, je vous assermente, Imlo Tavo Imlo, je vous assermente si jamais vous ne venez pas, et Imlo Tavo Uteiduni, vous témoignez pour moi, Shani Kohen, que je suis un Kohen. En l'occurrence, si je suis Kohen, j'aurai le droit de récupérer des Trumot et des Maasrot. Et tout le monde dit que je ne suis pas un Kohen, grâce à vous, vous pouvez venir témoigner, vous êtes de ma ville natale, vous pouvez témoigner que je suis un Kohen, que mon père était un Kohen, ou encore Shani Levi, comme ça aussi je touchais les Maasrot pour le Levi. She'eini ben Gerusha, quelqu'un a commencé à dire que j'étais un Kohen, mais qu'il y avait une mère divorcée. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Et s'il a des enfants, et bien ses enfants ne seront plus des Kohanim, ils seront des Kohanim Halal. Ils auront perdu leur statut de Kohen, ils ne pourront plus toucher les Trumot ou Maasrot, ils ne pourront plus faire la Nesiat Kapaim, la Birkat Kohanim. Ou encore, Shaini Ben Khalutza, idem encore s'il témoigne qu'il n'est pas Ben Khalutza. La Khalutza, c'est une autre forme de divorce. C'est plutôt pour la femme veuve qui est morte dont le mari est mort sans enfant, que le frère du mari a la misère de faire le hiboum, ou de la Khalutza, de la chasser. Justement, c'est elle qui va plutôt le chasser en lui retirant sa chaussure, ce qu'on appelle la chalutza. D'accord ? Dans tous ces cas de figure, l'enfant Cohen qui va naître, s'il y a un Cohen se marie avec cette femme et va naître un enfant, cet enfant sera pasoul, il sera inapte à être un Cohen, il aura perdu tous ses droits, il sera même pire quelque part qu'un Israël. Sans rentrer dans les détails, d'accord ? Et de ce fait, je vous demande à vous témoins, venez témoigner que je suis un bon Cohen, que je suis un bon Cohen kasher, que je suis un bon Lévi. Et ils ne viennent pas témoigner, ils préfèrent nier, nous ne savons rien. Ils seront dispensés d'apporter un korban. Pour quelle raison? Parce que lorsqu'ils nient que je suis un Kohen, ils ne sont pas en train de me causer une perte. S'ils avaient témoigné que je suis un Kohen, ils ne m'auraient pas directement fait gagner quelque chose. Indirectement, j'aurais pu ensuite récupérer de l'argent des Trumot ou Maasrot des autres personnes. Donc ils ne m'ont pas causé une perte, mais plutôt une sorte de manque à gagner, si je peux dire. D'accord? Ou encore, chez Ishploni Cohen, il y en a qui disent qu'il ne faut pas ajouter cette suite de la Mishnah, elle n'est pas tellement claire pourquoi la lire, elle est un peu bizarre, peut-être je touche un petit mot à la fin. Chez Ishploni Cohen, ou bien venez témoigner qu'un tel c'est un Cohen, chez Ishploni Lévi, qu'un tel est un Lévi, chez Eino Ben Grusha, que ce n'est pas un Ben Grusha, chez Eino Ben Khalutza, que ce n'est pas un fils de Khalutza. D'accord? Il y en a qui. Bon, c'est une répétition, sauf que au lieu que je vous demande de venir témoigner pour moi, je vous demande de venir témoigner pour quelqu'un d'autre. Et justement, la Mishnah va nous apprendre dans quelques secondes que c'est pire de demander de témoigner pour quelqu'un d'autre. Comme ce que la Mishnah nous enseigne, chez Anas Ishploni et Bito, ou Pita et Bito. Venez témoigner que je sais pertinemment que vous avez vu que Réhouven a violé la fille de Shimon. Venez témoigner pour lui, où il a séduit la fille de Shimon. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien la Mishnah va nous enseigner que même dans ce cas de figure, pareil, ils seront dispensés du korban de la Shavuot HaYedut. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas la personne concernée, le plaignant, qui leur a imposé, qui les a assermentés. C'est une tierce personne.
Genre, je ne peux pas venir mettre mon grain de sel et demander, venez témoigner pour Réhouven. Et vous allez jurer que vous ne connaissez pas de témoignage. Vous n'êtes pas en train de répondre ici au plaignant. De ce fait, il n'y aura pas ici de rue où je vois doutes. D'accord ? Il fallait là-bas, Véoued, Oshama, Orada, Ora, Oyada. Imlo Yagid, je ne sais plus comment on déduit ça du pasuk, que c'est moi en tout cas qui doit imposer le. La personne concernée qui doit imposer au témoin de témoigner et lui répondre Veshama Kolala. C'était de là-bas qu'on apprenait. Et eux, ils doivent répondre qu'ils ne connaissent pas de témoignage. Et de ce fait, là, c'est plus la personne concernée qui réclame. D'accord ? Ou encore maintenant, Veshechaval bi beni, Veshechaval bi chaveri, que mon fils m'a causé un. M'a frappé en me faisant une blessure. Donc il a fait sortir une goutte de sang. Il y a en cela une condamnation à mort. Puisque condamnation à mort. Il n'y a plus de condamnation d'argent. De ce fait, les témoins qui vont nier n'ient plus un témoignage de réclamation d'argent et sont dispensés du corban. Ou encore, que mon voisin m'a blessé pendant Shabbat, ou encore a allumé mon tas de blé pendant Shabbat. Dans tous ces cas de figure, puisqu'il y a en cela une transgression de la Torah pour laquelle il y a une condamnation à mort, donc il n'y a plus de réclamation d'argent. Et ils seront patour du korban, aré et l'obturine, ils seront tous dispensés du korban de la Shabbatéd. D'accord ? On fait rapidement le Bartanora. Il y a ici un petit Bartanora qu'il va falloir mettre un petit zoom. On expliquera dès qu'on y arrivera. Chez Ani Kohen, je leur demande de venir témoigner que je suis un Kohen. Pturine, ils seront dispensés du korban. Pour quelle raison ? Chez En Aïdim Chayavin, et là, que chez Kafro Bedavar, chez Jbot Viat Mamon, car les témoins ne sont passibles du korban de la Shabbatéd, que s'ils ont nié un témoignage où il y avait en lui une réclamation d'argent. Chez Anas Ishploni, Opita et Bito Ishploni. Que un tel a violé ou a séduit la fille d'une autre personne. Ou Bito Dektane, attention quand je te dis la fille, sa fille, de qui on parle. A Ishploni Kohen de la Elgale, on parle qu'il y avait en fait une tierce personne. Detana, oui, qui disent qu'il ne faut pas lire ça, d'accord. Detana Lel, Mine, Ishploni Kohen, Lévi, Veno Ben Yerusha, Vale Kaya, on s'importe sur le début de la Mishnah, d'accord ? O Ishbiyan Shahanas, Ishploni et Bito, Shaloto Ploni, Daire Beadashta. Le Bartanora avait nous expliqué comment est-ce qu'il fallait lire la Mishnah, tout simplement en nous disant qu'il a violé sa fille. De qui ? Ben, va chercher, on parlait du Kohen précédent quand on avait dit Shishploni Kohen, Shishploni Lévi. Et donc, en tout cas, pour ce qui nous intéresse, Pturin, dans tous ces cas-là, ils seront dispensés d'apporter un korban. Pour quelle raison ? Des bainan shishmeu mipi ato eva, ato ve'a. Les témoins doivent nécessairement entendre l'invitation au Beddin par le concerné. Le tovea, c'est celui qui réclame, qui plaide. Au bagmara, ouais, celui qui réclame plutôt, le plaignant. Au bagmara, mokela bebarasha. C'est sur ça qu'il fallait expliquer un petit peu plus. De quel cas particulier on parle ? La Gemara explique qu'en fait on parle que la personne qui vient, moi je viens, je réclame au témoin, témoignez que vous n'avez, venez témoigner que Réhouven a violé la fille de Shimon. Donc je suis une tierce personne. Et la Mishnah nous enseigne, même si le plaignant, donc le Shimon, le père de la fille, m'a écrit une archa'a, il m'a donné un plein pouvoir pour aller réclamer et récupérer l'argent. Ouais, ça existe d'écrire une archa'a ? Donner un plein pouvoir, je crois que ça s'appelle en français. Il y a un autre nom. Oh, je ne l'ai pas en tête. Une procuration. Ouais, il m'a écrit une procuration et pour aller réclamer l'argent. Et bien malgré tout, si je vais et je réclame, il ne devra pas venir, il devra pas apporter un, et qui nie le témoignage, il ne pourra pas, il devra pas apporter un corban de la joie de doute. Pour quelle raison ? Très simple. Parce qu'en fait, il ne peut pas m'écrire une archa sur sa fille. On va expliquer tout de suite. D'abord, on le fait dans les mots. Au bagmara, mokela beba beharcha. Dans la gmara, on explique que ce cas particulier parle qu'en fait que celui qui demande, qui invite les témoins et vient par procuration. Vite, viat mamon acher ave. Et si c'était une autre réclamation d'argent, ayuchayavin. Si par exemple, Reuven a perdu de l'argent à cause de Shimon. Parce que Shimon lui a cassé ses lunettes. Et lui, il m'a écrit une procuration pour aller réclamer l'argent. Et que moi, je vais et je demande au témoin, ben, venez témoigner pour moi. Alors, je suis considéré que je suis moi-même le plaignant puisque j'ai une procuration. Mais malgré tout,
Cette fois-ci-là, pour le viol de la fille, ça ne marche pas. Pourquoi? Vachmoinan, la Mishnah vient nous enseigner. De Enershav Hamurche Baaldin Beze Kishar Mamon. Que pour ce cas précis du viol ou de la fille séduite, alors celui qui vient par procuration n'est pas considéré comme le propriétaire, le possesseur de la chose pour réclamer lui-même. Pourquoi? De Kevan de Mamon Sheu Shoel Lomata Layade Meolaam. Étant donné que l'argent qu'il réclame n'est pas un argent qui a été à lui initialement, il ne peut pas écrire une procuration sur un tel argent. Soit, si je peux un petit peu grossièrement expliquer le principe, lorsque j'écris une procuration à quelqu'un d'aller réclamer de l'argent, alors c'est comme si que je lui donne la chose. Soit, lui, il me doit, j'ai de l'argent chez lui parce qu'il m'a cassé mes lunettes, donc maintenant il me donne l'argent. Je t'écris une procuration pour que tu ailles réclamer, donc je t'ai cédé cet argent qu'il me doit. Et bien la Mishnah enseigne que pour les cas des knassot, les dédommagements, de choses qui n'ont jamais été à moi directement, donc lui ne m'a jamais rien pris, mais l'autre a juste un devoir de me payer sans que c'était une chose à moi, donc je peux pas lui céder l'argent à aller réclamer, de ce fait la procuration ne marche pas, d'accord ? Veshechaval bibeni, mon fils m'a causé un dommage, une blessure. Chabala ichabura. Lorsqu'on parle d'une chabala, on parle qu'il a fait en fait une chabura, une blessure avec du sang. Et dans ce cas-là, Pturin, les témoins sont dispensés d'apporter le korban. Pourquoi? Sheim eidou, car s'ils avaient témoigné, hayam itchayev mita velo mamon, l'accusé aurait tout simplement été condamné à mort, mais sûrement pas de payer. De ce fait, les témoins qui ont nié n'ont plus nié un témoignage d'argent. Mais Shechaval bichaveri, même principe avec Shechaval bichaveri, que mon ami m'a fait une blessure, mais Shehidik et Gedishi, ou bien qu'il m'a allumé ma grange, Be Shabbat, alors que c'était Shabbat. Et Tarvayou, Chiyuv Mitaninu, Opturin Minamamon. Car dans ces deux cas de figure, il y a ici une condamnation à mort, et de ce fait, il n'y a pas de condamnation d'argent. Donc les témoins n'ont plus nié un témoignage de réclamation d'argent. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.